Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'athlétisme. On va parler du meeting de Montreuil avec une petite semaine de retard, mais on rattrape petit à petit notre retard. Meeting de Montreuil, donc premier meeting français de l'année avant un meeting de Marseille qui va arriver cette semaine. C'est un meeting qui est assez important. Normalement, on a souvent des conditions assez mauvaises à Montreuil. L'année dernière, par exemple, ça avait été de la pluie. Il y avait eu des torrents de pluie, je crois, c'était 2019 ou 2020, je ne sais plus. Il faisait genre 5 degrés, c'était catastrophique. Là, cette année, on a eu de la chance. On a eu des conditions quasiment parfaites, c'est-à-dire pas de vent. Et puis surtout, aux alentours de 20 degrés. Donc, c'est vraiment des conditions idéales pour le sprint, notamment. Vous savez que le muscle marche idéalement, je crois que c'est aux alentours de 22 ou 23 degrés. Donc il faut des conditions à peu près dans cet ordre-là. Quand il fait trop chaud, bien entendu, pour les épreuves d'endurance, c'est un problème. Et quand il fait trop froid, pour les épreuves de sprint, c'est un véritable enfer. Et même pour les disciplines d'endurance, parce que les muscles sont tendus, et surtout consommer énormément d'énergie, à vous réchauffer. Meeting de Montreuil, qui était également le premier meeting pour la course minima, presque avec les meetings internationaux, mais pour beaucoup de Français, ça permettait également d'avoir une épreuve de rentrée. Et cette année, la course minima ne va pas être facile, parce que les minima dans certaines disciplines sont quand même extrêmement hauts. Je vais commencer avec la première épreuve du meeting, c'était le 400 mètres haies. 400 mètres haies masculin. On avait donc des Français, Appio et Corollaire notamment. C'était deux seuls Français même, et il y avait un gros plateau sur ce 400 mètres quand même européen. Et victoire de Wilfried Appio, le Français, en 49-56. Il a fait vraiment une très très belle course. C'était vraiment assez linéaire, il n'y a pas de faute majeure sur son parcours. Je trouve que pour une course du mois de juin, on sait que le 400 mètres haies, c'est une discipline où il faut en faire beaucoup pour être performant. Donc là, on est sur les premiers 400 mètres haies. Je trouve que du côté des Wilfried Appio, c'était vraiment pas mal. Avec une belle fin de course, j'ai trouvé. 49-56, le chrono est intéressant. Encore une fois, il faudra l'abaisser, notamment pour les minima. Hein, mais c'est un chrono qui est déjà très intéressant. Victor Corollaire, c'était un peu plus difficile, un peu plus timoré, troisième de cette épreuve. Mais il a eu une première partie de course vraiment pas bonne. Il se refait bien la cerise sur la fin. Mais sur la première partie de course, c'était vraiment pas sage de les trouver vraiment dedans. Il était vraiment pas dans un bon rythme. Ensuite, il se refait bien sur la fin. Et puis, dommage pour l'Allemand Luc Campbell, qui a fait une erreur sur l'avant-dernière haie et qui lui coûte très cher, parce qu'au final, il finit sixième alors qu'il était à la lutte avec Wilfried Appio. Mais Wilfried Appio l'a fait craquer. On sait que sur 400 mètres haies, dès que vous êtes un peu à la lutte avec un autre adversaire dans la dernière ligne droite, et plus la fatigue, parce que ça reste un 400 mètres, donc au niveau de la sélectique c'est un petit peu violent, vous pouvez soit faire des erreurs, c'est-à-dire vous mettre trop près de la haie ou trop loin de la haie, ce qui fait que vous retombez dessus, ou soit vous allez écraser un petit peu. Vous allez faire des petits pas avant la haie, ce qui va également vous ralentir votre vitesse, ou à cause de la fatigue, vous allez sauter pas correctement et vous ne passerez que difficilement la haie. Et en sachant que si vous faites une erreur, donc si par exemple vous faites tomber la haie ou une erreur moins grave, c'est-à-dire que vous perdez juste de la vitesse, se relancer à la 9e ou la 10e haie, c'est quand même extrêmement compliqué sur le 400. Donc il ne faut pas faire d'erreur dans la ligne droite. Et là, il était un petit peu plus tendu, je pense, du fait d'avoir un adversaire à ses côtés. Et il a eu du mal à le gérer. Luc Campbell, qui est pourtant un athlète qui est né en 94, qui commence à avoir 4 ans de plus que Wilfried Appio, donc techniquement un peu plus d'expérience. On passe à la deuxième épreuve du meeting, et peut-être le moment de ce meeting quand on parle de course au minima. C'était le cas pour René Lamotte. Moi avant je disais Renel Lamotte, mais Patrick Montel disait Renel, en sachant que c'était Patrick Montel, parce que j'ai regardé le meeting sur Sport en France. Vous pouvez toujours le voir même, hein, il est disponible sur Sport en France, et je trouve que pour des moyens qui sont pas exceptionnels, parce que Sport en France a pas 150 000 caméras, et je ne suis pas fan de Patrick Montel, pour tout vous dire, j'ai presque regretté Patrick Montel par rapport aux commentaires d'Alexandre Pasteur au dernier championnat du monde,
où je m'étais fait chier comme un rat mort avec les commentaires d'Alexandre Pasteur. Je trouve qu'autant il est pas mal sur le cyclisme, autant sur l'athlétisme, faut pas le mettre, faut mettre Alexandre Boyon, parce que je n'avais aucune passion, quoi, pour vraiment, il m'endormait, Alexandre Pasteur, c'était assez surprenant. Donc là, c'était Patrick Mattel, et je trouvais que donc Sport en France a vraiment fait un travail intéressant, je trouve, autour de ce meeting. Du côté de Ronel Lamotte, pardon, je vais y arriver, eh bien, elle a réussi les minima, 1:58.65, c'est son troisième chrono de sa carrière. Donc le faire dès sa course de rentrée, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est une fille qui va peut-être être capable de passer sous les 58, de courir en 57 sur 800. Alors certes, le chrono c'est intéressant pour les Jeux Olympiques, mais c'est surtout la capacité à faire un dernier tour de folie, à accélérer, parce qu'on sait que sur les épreuves de demi-fond aux Jeux Olympiques, ça va être des courses tactiques. Donc sur les courses tactiques, il faut réussir à changer de rythme très violemment. Et du côté de Renée Lamotte, cette année, elle a peut-être la capacité de le faire. Quand vous courez une 57, c'est-à-dire quand vous êtes à une 59 ou 2 minutes, vous avez la capacité de changer de rythme. Or, quand vous avez un chrono en 2 minutes, si la course se court en 2-1, vous n'avez pas cette capacité de changement de rythme parce que c'est votre rythme maximum. Vous voyez un petit peu la nuance. Du côté de Renée Lamotte, ce qui est intéressant, c'est de faire ses minima dès le 1er juin. C'est-à-dire qu'elle n'est plus à la course au minima, elle peut se préparer tranquillement. Quand vous êtes à la course pour les minima, vous êtes obligé de trouver des meetings, énormément de meetings. Vous savez qu'il y a des meetings où les conditions climatiques ne seront pas bonnes et vous ne pourrez pas faire au minima, ou le lièvre ne sera pas bon, ou où il y aura trop de vent, ou il n'y aura pas assez d'adversité pour vous dépasser et battre vos records. Et donc, quand vous êtes dans la situation, voilà, la course au minima, vous faites énormément d'épreuves, vous voyez l'échéance se rapprocher, et vous avez tendance à rater, soit à réussir les minima au dernier moment, mais à rater vos championnats derrière, ou soit à rater vos minima parce que vous vous mettez trop de pression. Il faut quand même souligner en plus qu'elle fait 1:58.65, alors que Farah Anakarsis, qui est spécialiste du 400 et qui faisait le lièvre, a pas été un très bon lièvre. Donc c'est assez intéressant ce qu'a fait Ronel Lamotte. On continue avec le triple saut, c'était gérer la compétition avec une très belle starting list, dont notamment Hugues Fabrice Zango. Et il y avait Melvin Raffin, et Melvin Raffin a également réussi les minima en 17-19. Et c'est dommage qu'il ait mordu sur les essais d'après, parce que j'ai l'impression qu'il était quand même en capacité de faire un excellent saut aux alentours de 17-30. Je pense qu'il avait la capacité de faire 17-30. Donc il aura peut-être des regrets, Melvin Raffin, mais il avait des jambes vraiment exceptionnelles. Le français derrière Hugues Fabrice Zango, il a assuré. Mais Hugues Fabrice Zango, quand il assure, il fait 17,67 m. Meilleure perf mondiale de la saison pour Hugues Fabrice Zango, et de manière très tranquille. C'est-à-dire qu'il était, j'ai l'impression, pas dans un grand jour. Et en étant assez décontracté, il réussit à faire cette performance-là sans faire une planche non plus sensationnelle. Sur un essai, il a quasiment tué le concours. Donc c'est assez impressionnant de la part de Hugues Fabrice Zango. On soulignera également la troisième place d'Andrea Dalla Valle, toujours l'école italienne du triple saut. Et puis Thiago Pereira, portugais, quatrième, 16,95 et 16,94 pour ces deux concurrents qui pourraient aller au jeu. Ne sont pas loin quand même d'aller aux Jeux Olympiques. Je passe désormais au 110 haies masculin. Très belle épreuve. Le 110 mètres haies, c'était aux alentours un peu plus d'une heure de meeting. On avait, vous savez, sur les meetings français, les haies, c'est toujours là, on a beaucoup de monde. On avait notamment Dimitri Bascou. Alors, retour assez compliqué pour Dimitri Bascou, 7e en 13,75, mais on avait surtout Aurel Manga et Andrew Pozzi. On avait vraiment une très très belle starting list. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est Andrew Pozzi qui s'est imposé en 13,26. Alors le chrono n'est pas impressionnant, 13,26. Par contre, la décontraction qu'avait Andrew Pozzi, c'était vraiment, vraiment assez incroyable. C'était, il a fait une course mais vraiment tranquille, comme si c'était une course de série. Donc 13-26, c'est-à-dire que c'est un mec qui, s'il est capable de reproduire ça en série, il faudra faire attention à lui en finale, parce que là,
Alors après, Andrew Pozzi fait jamais de faute. Là, c'est une course encore une fois qui est fluide, mais c'était d'une décontraction, d'une facilité du côté d'Andrew Pozzi qui était assez impressionnante, je trouve. Vraiment, il m'a fait une très très belle impression, le Britannique. Et du côté d'Aurel Manga, bah, c'était course de rentrée, hein, je crois, pour Aurel. Un peu plus compliqué, mais encore une fois, le 110 mètres haies, c'est toutes les courses avec des haies. Il faut en faire beaucoup dans l'année pour se remettre dans le rythme. Donc du côté d'Aurel Manga, on n'a pas fait les minima. Je continue avec le 100 mètres haies féminin. C'était pas mal aussi, hein, le 100 mètres haies féminin. Hop. Si, il me le remet, voilà. On avait notamment la Biélorusse Elvira Hermann et Laetitia Bapté qui, Laetitia Bapté, je rappelle, a fini championne de France en salle cette année sur 60 haies et qui voulait faire baisser son chrono hein, sur 100 mètres haies parce qu'elle avait un chrono un petit peu élevé encore. Eh bien, elle a fait un magnifique 13-20, deuxième place pour une concurrente qui est née en 99. Hein, il faut le souligner quand même, Laetitia Bapté, donc assez impressionnant. Une course là encore très très fluide. Je pense que le fait d'avoir Elvira Hermann également a aidé forcément la française, mais vraiment une très très belle course. Et on sent qu'il y en a encore un petit peu sous le pied pour Laetitia Bapté. Donc c'est une concurrente qui peut vraiment faire une très très belle perf. On avait Elvira Hermann, la Biélorusse, ça n'a pas été facile hein, parce qu'il faut savoir que le matin même, il ne savait pas encore si elle pouvait courir. Du fait de la situation un petit peu compliquée, un petit peu tendue avec ce pays. Européen avec le Bélarus et du côté parce qu'il faut dire Bélarus normalement c'est la Bélarussie hein, c'est plus la Biélorussie et du côté d'Elvira Hermann et ben tranquille aussi hein, 12,93 on sent qu'il y a là aussi il y a pas mal de marge après il faudra voir si elle peut courir sur d'autres meetings hein, ça va être une grande question pour la Biélorusse et puis je termine avec le 100 mètres aussi, on avait une belle starting list du côté des filles. Du côté des garçons, c'était un petit peu moins ça. Et pour tout vous dire, du côté des garçons, Mohamed Oufal n'a pas fait hein, les minima. Il est à 10-16. Et Amaury Golitin, a fait 10-20. Donc pas incroyable pour ces deux-là. Par contre, du côté des filles, on a eu une très très belle Marie-Josée Talou que j'ai trouvé là aussi pour une course de début de saison du côté de Marie-Josée Talou qui avait fait 11-41 à Gateshead. Mais on rappelle les conditions qui étaient très compliquées. C'était très très intéressant. Par contre, du côté des filles, Carole Zahi, pas simple. Et du côté de Orlan Ombisa Zongue, pas très bon départ et surtout sur la fin de course, la deuxième partie de course, elle part en cycle arrière, elle est totalement décousue sur cette fin de course. Donc c'est un 11-36 dans ces conditions-là. C'est une fille qui peut faire en dessous d'11-15 aisément parce que vu comment elle a couru sur la vraiment à partir des 70 mètres, elle court très très mal. Donc réussir ce temps-là en faisant un départ moyen et une fin de course très très mauvaise, ben, je peux vous dire que c'est quand même pas mal pour la française. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On essayera de parler du meeting de Marseille. Ça sera le 9 juin. Je pense que je serai obligé de le récupérer en anglais. Il y aura également le meeting de Florence en Italie du côté de la Diamond League. Est-ce que il y aura peut-être d'autres meetings d'athlétisme comme ça, pêle-mêle. Boston, je ne sais pas si je le ferai. J'ai pas fini de le regarder pour tout vous dire. J'essaie de finir de le regarder ce soir. Et puis voilà, beaucoup d'athlétisme encore sur la chaîne, même si j'arrive pas à dire le nom de cette discipline. Beaucoup de courses à pied, voilà, on va s'en sortir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, salut, à la prochaine sur l'Amérique Production.